C'est chez Filigrane, un des libraires les plus importants de Bruxelles, que la SABAM, qui est désormais un de nos partenaires, organisait fin février une de ses nombreuses manifestations littéraires sous la houlette de Sylvie Godefroy et Jérôme Van Wyn. Alors, la SABAM, rappelons-le, c'est la Société belge des auteurs et compositeurs chargée de collecter, mais ensuite de répartir à ses membres ces fameux droits d'auteur qui constituent en fin de compte une partie importante de leur rémunération. Et la SABAM, c'est aussi 30 000 membres, en grande majorité des artistes centrés autour de la musique, mais également des milliers d'écrivains, peintres, scénaristes, réalisateurs du cinéma, du théâtre, bref, autant d'affiliés pour qui on a créé en 2012 un département plus spécialisé qui s'appelle Arthès. Et cette année, Arthès organise 4 événements littéraires. Et le premier auquel nous avons assisté, qui, soit dit en passant, a fait salle comble, on peut le voir, donc chez Filigrane, ce libraire, cet événement avait pour thème le féminisme. Alors, deux auteurs belges qui ont bien plus qu'une plume à leur arc, puisque l'un est historien de formation, l'autre juriste. C'est ça. L'un vient de Verviers, l'autre de Bruxelles, et ils ont tous deux comme point commun l'amour de l'histoire et l'amour du patrimoine. Alors on va parler de Bruxelles ce matin et du féminisme également. Et moi, je vous propose, avant de nous plonger dans cette discussion, de faire connaissance avec ces deux personnes. Pourquoi le féminisme ? Oui, vous me dites quand je dois vous répondre. Oui, ben oui, mais je vous pose la question, pourquoi le féminisme ? Parce que vous êtes avant tout un historien. Oui, mais un historien avec des convictions, et notamment des convictions féministes. En 78, à Verviers, j'ai collaboré avec, on était trois, quatre hommes, et surtout une trentaine de filles, à la création d'un groupe qui s'appelait le Collectif Contraception Verviers, à l'époque où on militait pour la dépénalisation de l'avortement. Et notre groupe avait pour mission d'aider des filles qui étaient en état de devoir avorter à aller le faire en Hollande. Donc j'ai une tradition de ce côté-là. Et je me suis intéressé alors à Marie Mineur en tant qu'historien, parce que Jean Puissant, qui est un professeur ici à l'ULB, m'avait demandé de faire des recherches sur Marie Mineur, parce que Eliane Gubin, autre professeur à l'ULB, préparait un ouvrage sur une féministe du XXe siècle, Jeanne Vercheval, qui avait appelé son groupe les Marie Mineurs. Qui était en fait Marie Mineur ? Marie Mineur était une ouvrière verviétoise au milieu du XIXe siècle, donc elle est née en 1831, décédée en 1923, et c'est une des rares féministes de l'époque en milieu ouvrier. En tout cas, femme militante en milieu ouvrier. Paul Jacobs, vous êtes guide conférencier, vous êtes historien. Vous dites être passé du statut de flamand de Bruxelles au bruxellois néerlandophone. C'est une nuance qui est un peu subtile. Et vous avez usé, vous, quelques semaines en arpentant les rues de la capitale depuis une petite trentaine d'années, c'est ça ? Et puis, on peut dire que c'est grâce à ces 30 ans, à cette découverte du patrimoine bruxellois, que vous avez notamment rédigé cet ouvrage, Bruxelles-Pentagone, un ouvrage qui vous a été commandé par la maison d'édition de la communauté française. Alors, j'ai lu tout ce que vous pouvez trouver sur vous, et il apparaît que vous êtes un personnage. Ah bon ? Oui. En fait, si on le dit. Vous êtes quoi ? Vous êtes un guide touristique quelque part ? C'est votre métier, non ? Non. Enfin, bon, j'ai une formation de juriste. Oui, ça, je sais. J'ai fait le droit, après, je me suis amélioré. Et donc, ça fait plus de 30 ans que j'écris des livres sur l'histoire, que je fais des conférences. Dans les deux langues, parce que vous êtes flamand. Oui, oui, c'est ça. Dans les deux langues. Et en anglais aussi, si le public connaît aussi moins l'anglais que moi. Les eurocrates, par exemple, ça ne pose aucun problème. Et donc, en fait, quand je fais des visites, c'est plutôt pour illustrer ce que j'ai écrit. Donc, c'est quand même très différent de la visite touristique ou Oui, vous avez fait un périple sur Bruxelles en 33 épisodes, c'est ça ? Exactement, oui. Donc, la ville historique, je l'ai répartie en 33 morceaux. Et chacun fait une balade dans le quartier.
Et après, on va boire un verre et on monte des cartes anciennes et des images. Donc, on complète un peu avec l'iconographie historique. Voilà. Et ça peut faire en moyenne 3 heures. Donc, vous allez en fait quelque part parler de la femme à travers l'histoire de Bruxelles. Je présume, hein, puisque c'est une interview, je crois que c'est une oui. forme de questions-réponses. Et donc, j'essaierai. Enfin, il y a des aspects tout à fait concrets. Moi je suis d'avis que quand on voit l'approche passéiste de l'histoire du Moyen-Âge, telle que, à mon avis, ça se pratique dans la lecture de l'histoire du béguinage à Bruges. Par exemple. On a des documents historiques, donc on est documenté pour raconter sur le béguinage de Bruxelles des choses qui sont presque l'opposé de ce qu'on dit souvent aux touristes maintenant. Et donc, en effet, par ce biais-là, c'est pas seulement le yin, mais c'est la place de la femme dans la société de cette époque et la façon dont elle-même se situait dans cette société, quoi. À noter que le prochain événement organisé par Arthez, donc par la SABAM, aura lieu dans un petit mois, à savoir le mercredi 16 avril au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. Et là, on aura comme invité l'humoriste Bruno Coppens, bien connu en Belgique par le jeu du dictionnaire, mais que les Français connaissent peut-être aussi, car il était tout un temps chroniqueur dans l'émission Le Fou du Roi, animée par Stéphane Bern sur France Inter.